Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Imagine ton live numéro 8. La mairie de Corbeil-Essonne donne la parole aux artistes. C'est retransmis sur le site internet de la ville de Corbeil-Essonne, sur le Facebook de la ville de Corbeil-Essonne, sur Radio Terre de Mix 90.1 FM et sur le www.mjclimour.fr. 8 dates, 8 concerts, 8 semaines, même plus de 8 semaines de paroles aux artistes. Comme disait Coluche, les gens ont des idées sur tout, mais ils ont surtout des idées. Et à Corbeil-Essonne, vous les avez rendues réelles. Donc je me tourne vers vous, monsieur oui. Oscar Segura, adjoint à la culture, pour vous fassiez un peu le bilan de ces 8 semaines de concerts, avant de donner la parole à Gaël, qui représente le groupe Nazgûl. Ce soir, c'est Metal, c'est le groupe Nazgûl, ils sont tous prêts et impatients à jouer. Mais d'abord, monsieur Segura, un petit mot sur ces 8 semaines de concerts et de musique. Oui, bah, on est très content de tout ce cycle de 8 concerts où on a pu découvrir des artistes toujours implanté au moins dans chaque groupe des artistes de Corbeil et dans tous les styles. Donc on est passé du classique au rap, au jazz et maintenant du black metal, on est ravis. Ça montre toute la richesse, toute la diversité qu'on peut avoir sur notre ville. Et puis, comme on dit, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc bien sûr, certains aiment plus l'un, plus l'autre, mais en tout cas, nous ce qu'on aime, c'est la musique et ce qu'on aime, c'est que les artistes puissent en vivre et s'exprimer avec les artistes et aussi tous les intermittents, évidemment. Ouais, alors il y a beaucoup de personnes à remercier, je crois que vous avez ramené une liste, mais c'est des belles paroles que vous dites, c'est-à-dire aimer les choses, aimer la vie, les gens dans leur diversité, et c'est un message super important que vous avez très bien retranscrit sur la ville de Corbeil, avec ces 8 semaines, à chaque fois un style différent, ces 8 concerts, chaque fois un nouveau style, ce soir on finit en métal, et voilà, la diversité, la mixité, l'échange, la compréhension entre les gens, c'est très très important, nécessaire dans cette période. Consulter les gens, échanger avec eux, discuter avec eux, discuter avec son voisin. Les gens, ils souffrent beaucoup de l'isolement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui dépriment. Ce soir, on est là pour vous donner des bonnes vibrations, des vibrations positives, des vibrations énergiques. Voilà, pour que tout le monde retrouve un peu le sourire. Et vous avez beaucoup de personnes à remercier, je crois. Ben, c'est ça. Bon, déjà, je veux dire voilà, que quand on a imaginé ça, on s'est dit forcément, ça allait causer dans la ville, ça allait donner envie. On est content d'avoir en plus des nouveaux partenaires, Radio Terre de Mix et d'autres. Mais quand même, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à ça, notamment ici, dans le lieu où on est, c'est la médiathèque Chantemerle. Donc, merci à Farhat, merci à toute l'équipe de la médiathèque, Annie Barré, enfin voilà, toutes les gens qui nous ont donné cet accès aussi. Il y a la com, Elisabeth Hébert, toute son équipe qui a permis que ça se sache, que ça se diffuse. Il y a bien sûr Thierry Lévesque, voilà, on pense très fort à toi encore plus en ce moment, mais et en plus qui a pu gérer ça, cette technique, ces lumières, ce son magnifique avec Germain. Gilles aussi, Gilles Breguet, qui est venu toujours donner son coup de main, qui est venu aider. Tous les techniciens, Aziz, Yazid, voilà. Et bien sûr, Sylvie, de la Direction de la Culture, qui a toujours permis que les choses se fassent. Voilà, on aurait pu faire une liste encore plus longue, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant de pouvoir donner la parole aux artistes et de se dire que voilà, chacun a le droit de pouvoir apprécier sa musique, et donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et ça, c'est quand même c'est le message très important qu'on voulait faire passer. Merci monsieur Segura. Alors ce soir c'est Metal, je vais vous reprendre le micro et je vais le faire passer à Gaël. Voilà, pour qu'on puisse un peu découvrir. Bonsoir Gaël. Pour qu'on puisse un peu découvrir le groupe Nazgûl. Alors du métal, est-ce que c'est vraiment du métal? C'est quoi? C'est du dark power, du trash metal? Non, c'est un mélange entre du black et du death metal, en fait, qui sont deux styles assez extrêmes, chacun dans sa tranche. Donc on a pris un petit peu tout ça et voilà, on a fait un résultat qu'on espère être suffisamment violent pour secouer quelques nuques, quoi. Voilà, un peu d'énergie. Comment ça se passe pour vous dans cette période? Comment ça ne se passe pas, plutôt? Ah, voilà ça. C'est compliqué pour tout le monde. Hein. Cette période, elle a été vraiment très très dure pour les artistes, pour les intermittents, pour le monde du spectacle, pour l'événementiel. Moi, en plus de faire de la musique, je travaille aussi dans l'événementiel. Donc autant vous dire que l'année qui vient de s'écouler, elle a été vraiment vraiment compliquée. Malgré tout, on observe quand même un phénomène de résilience qui est loin d'être inintéressant. Tout le monde a su
se réinventer rapidement. Alors, on a l'impression que c'est des éléments de langage, mais pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout le monde a migré sur le net. Voilà, on a vu des initiatives comme celle-ci se développer. D'ailleurs, merci encore de nous recevoir, parce que nous, ça nous permet de continuer à exister, ça nous permet de continuer à avoir un but, et c'est hyper important dans cette période, tout simplement. Et cette période, il me semble qu'elle est quand même féconde, que vous créez beaucoup de choses. Et vous avez sorti un EP, vous avez un album en préparation. On essaye, ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai fondé Nazgul tout seul, accompagné de Maxime au chant en 2018-2019. L'EP est sorti en juin 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a eu le temps de le faire vivre à travers quelques concerts. Il s'agissait au début d'un projet solo, en fait. Et j'ai la chance d'être accompagné de musiciens extrêmement talentueux, mais avant tout d'amis, de gens qui me sont proches et qui me sont chers. Du coup, c'est faire ça en famille, avoir l'occasion de travailler encore un petit peu plus, de s'envoyer des morceaux, de composer, d'écrire, parfois de se prendre la tête aussi, comme dans tous les groupes. Mais du coup, oui, ça a été une période qui a été propice à ça, parce que on est chacun chez soi, donc à un moment, soit on reste sur son canapé à regarder Netflix et à déprimer, soit on s'occupe un petit peu, on essaie de faire quelque chose de bien, quoi. Voilà, la création, un peu une boîte de sauvetage, une planche de secours pour trouver un exutoire. Tout à fait. Et c'est important de pouvoir un peu extérioriser les choses. Bien sûr. Dans une période où, voilà, moi, sur Radio Terre de Mix, on a donné la parole à beaucoup d'élus locaux. Il y en a un qui disait que dans cette période, voilà, malheureusement, on n'est pas tous tout à fait dans notre... on va dire dans notre assiette habituelle. Donc c'est important de pouvoir extérioriser, pouvoir un peu changer les idées. Alors juste avant de vous laisser jouer, parce que c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est quand même la musique, si tu pouvais présenter les membres de ton groupe un petit peu pour rendre à César ce qui est à César. Loris, notre excellent batteur, Guillaume et Thomas respectivement à la basse et à la guitare, et hors chant que vous ne voyez pas mais que vous allez entendre dans très peu de temps, Maxime et Jesse qui sont les chanteurs. Donc on a fait le choix en fait d'avoir une formation à deux chanteurs, un homme et une femme, donc pas d'histoire de choriste ou quoi que ce soit, ce sont vraiment deux chanteurs. Donc je pense que le résultat peut en étonner certains. Voilà, imagine-t-on la venue numéro 8, c'est parti, Nazgul ce soir, thrash metal, et on vous donne la parole en musique. Merci à vous de nous partager ces belles émotions. Yeah.
C'est une chance pour nous, ici, ce soir, de pouvoir jouer. Merci beaucoup pour cette initiative. Vous vous rendez pas compte ce que ça représente pour nous en tant qu'artistes, de pouvoir faire un concert, nous représenter devant du monde. Merci beaucoup. Et on va enchaîner. What the fuck?
Yeah.
Cette super initiative. Merci beaucoup de nous avoir invités et de nous laisser représenter le métal. Vraiment, merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit en direct ou en rediffusion. Ça va être la dernière pour nous. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on s'est éclaté. Merci à tous. Merci à l'organisation. Merci à ceux qui nous regardent. Merci de faire vivre la culture et la musique.
Germain, s'il te plaît, merci. C'était Imagine ton live numéro 8 avec Nazgul. Merci pour ces bonnes vibrations, cette énergie sauvage qui va vous aider à supporter cette nouvelle phase de confinement qui s'annonce. Prenez bien soin de vous. Comme le disait Tahar Ben Jelloun, il faut plus qu'un tas de maisons pour faire une ville. Il faut raconter des histoires, il faut aussi des musiques et des chants. Et on peut remercier la ville de Corbeil-Essonne d'avoir donné cette part à la musique. Et on espère tous que la chanson, les chants, la musique va pouvoir reprendre vie. C'était Imagine ton live numéro 8. Merci à vous, passez une très bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir.